Je sais pas si vous vous rappelez d'un petit épisode qu'on avait fait qui s'appelait le Battlefish Friender avec la team Rapala. Et ben c'était sur cet étang il y a 2-3 ans maintenant. C'est sur la chaîne, c'est toujours dispo si vous voulez jeter un œil. Allez, on part sur le bateau, hyper stable, hyper grand. C'est les anciens bateaux de pompiers. Vous voyez la couleur assortie à la casquette, parfait. On est raccord, on peut aller pêcher des brochets maintenant, c'est parti. Allez, le bleuté. Toi, tu commences au poulet, toi. Chut. 3. 2, 1. Hop, poisson. Voilà. Voilà, il est gros. Ah, je sais pas, il se devait faire bien en tout cas. Aïe. Ah, j'ai mis un bon ferrage. Calito qui ouvre le bal. C'est pas vilain du tout, non. Youhou! Ça fait plaisir! Ça fait un petit quart d'heure qu'on est là, on commence à se dire, mais. On va prendre une touche! Ah, ça fait zizir! Tu sais que. Tu sais que. Ça a pas l'air vilain, hein! Oh! Oh, bûche! Oh, yeah! Super! La saison des bûches est officiellement lancée! Ah là, ça fait zizir. Ah là, ça fait plaisir. Ah, il est gaillard. Ça, je te laisse tenir juste ouais, là. Ouais. Boum. Oh, la... ce bestio, quoi. La bestio. Oh, ce bestio, dit. Au proto, dit. Fat, fat boy swim. Ouais, là, celui-là, ouais. Le fat, fat. Oh, c'est malade. L'adrénaline là. Ah ouais, grave, parce qu'en plus il se décollait pas du fond, alors je me suis dit là quand même. Il y a client. Ah, celui-là. Il t'a mis un peu la pression ah, lui. Ah ouais, tu m'étonnes. On va le mesurer là. Ouais. Ouais, il fait 100, il fait ses 100. Tu l'as là-haut. Ah ouais. Ça touche. Il fait 106. 106, eh bien ma foi. Ah, il a mérité. C'est top, c'est top. On l'a fait juste à côté de là où le gars a déchargé toutes les pierres. Ouais, ouais. Le mec a déchargé ça à l'instant, on a dit ça va partir tous les poissons, mais en fait non. Pas du tout. Ah ouais, d'un coup c'est... C'est la flambée quoi. Poisson. Oui. C'est là. Il est où le bleu? Et deuxième poisson pour Canito. Ouais. Bah, il est petit celui-là, il va repartir. Ouais. Aussi vite qu'il est arrivé. 3, 2, 1. Partez. Wow. On n'est pas bien là quand même. C'est royal. Ouais, c'est royal. Ce que tu veux. Poisson. Oui. C'est solide. Solide. Ah ouais, c'est joli, va. Il va se surface là-bas. Il est en feu. Le Canito, le fat boy. Le fat boy qui est en feu, mec. Ouh. Ça, c'est un gros. Ah, c'est un gros. Allez. Et il va falloir que tu en fasses un ce soir, hein, à l'heure comme ça, parce que c'est pas le traiteur. Et Il est gras. Boum. Viens ici, viens. Canito là, il est chaud. Attention. Attention quoi. Allez, la filoche. Yes. Il est on fire. Regarde, je le touche, regardez. Ouh, je me suis brûlé. Oh la vache. Allez. Et là,
photo. Elle m'a douté, je sentais venir. C'était claque, hein. Ouais. Donne-moi un peu de mojo, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, allez, c'est à mon. Donc tu vois là, j'ai mis un plus, un petit plomb vissé pour descendre un petit peu plus vite. Parce que, bon, il y a quand même 3 mètres, jusqu'à 4 mètres d'eau. Et du coup, le fait de l'avoir plombé dessous comme ça, ça le fait descendre, il descend bien assez rapidement au fond. Et au moins, quand je ramène assez lentement sur le fond. Et bon, depuis tout à l'heure, apparemment... Eh oui, c'est pas mal. C'est la technique. C'est pas pire, hein. L'étang qu'il y a devant la maison en fait abrite que des basses, donc on va éviter, c'est pas la période, ils sont en train de se reproduire. C'est tout neuf ici, hein, on sent que c'est tout récent et il y a encore quelques travaux vraiment pour vous accueillir le mieux possible. Et déjà il y a un niveau d'accueil qui est ici. Ça va. Et voilà, petit switch d'étang ici à Paris Predator Fishing. C'est l'avantage, c'est qu'on peut changer de cadre en à peu près une minute. C'est ça. On était sur un étang derrière ce matin. Et là, on est passé sur un étang qui s'appelle Idylle et qui est un peu plus sauvage avec des îles. Plus d'herbiers aussi. Beaucoup plus d'herbiers. Des herbiers. Donc on va essayer ça. On a profité du changement surtout pour s'équiper des gilets de sauvetage qu'on avait oubliés ce matin. Ouais, voilà, un peu vite. Hein, on est parti un peu vite. On était focus sur la pêche. On avait vraiment envie d'y retourner vite sur le premier étang. Un peu trop vite. Voilà. Donc, mea culpa, on a nos gilets, on est allé les récupérer. Maintenant, on peut continuer la journée tranquillement sur ce petit étang. Si jamais ça marche moins bien, on a encore une option sur un autre étang qui s'appelle Arôme, qui est un peu plus petit, mais je pense juste qu'on ira à côté. On ira à côté. Là, pour le coup, celui-là, il est juste de l'autre côté de la butte, donc on pourra y aller. À chaque fois, le bateau est posé sur l'étang, donc il n'y a pas de temps perdu. Ouais. Si vous voulez, vous passez d'un étang à pied à l'autre, et puis vous montez sur un bateau, et c'est réglé, quoi. À savoir que si jamais vous venez ici, tout est privatisé pour vous. Vous n'allez pas trouver d'autres pêcheurs. Tous les étangs vous sont réservés, bien entendu. Et si jamais la pêche est un peu plus difficile sur un, vous pouvez passer sur l'autre pour changer de technique et faire d'autres poissons. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Ah ouais, c'est parti. Essayer. Let's go. Poisson, celui. Poisson. Oh, cassé. Il est là. Il a cassé sur quoi? Sur sur l'avançon. Oh, ça mérite. Ça mérite un poisson. Poisson. Oui. Et... Bien, monsieur. Ça, c'est beau, ça, non? J'avoue. Ça c'est classe. Ça, c'est pas un monstre mais. Les mecs c'est sa journée. C'est sa journée le mec. C'est bon. J'ai fait un petit lancer à les arbres juste posé sous les frondaisons là. Ils sont au bord ouais. Putain, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti un spinner ouais. Ouais, sur un spinner PLP avec un petit fat boy derrière. Parfait. Nickel. Voilà. Allez, ouais. Désolé, il m'a glissé les doigts. La pêche c'est pas du tout la même, hein. C'est là on les collé aux bordures, hein. Pêche un peu plus technique, faut les faire c'est sortir. Ça. Ouais, faut vraiment les faire bouger. Très sympa à pêcher, ouais. Ouais. Ah, complètement différent en plus, c'est ça qui est génial quoi. Micro tap, ouais, tout c'est pas. C'était pas. Non oh si, si. Ah yes. Ah, tu nous invitais à mieux aujourd'hui quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait. Les petits touts, tiens.
À bientôt. Poisson. Yeah. Il est joli. C'est bon ça. Ouais, il est beau. Fais gaffe, il y a du bois partout dessous. Oh putain. Putain, je suis dans le bois. Putain, ah je suis dans le bois les mecs. C'est bon. Oh. Ah je suis obligé de le. Est-ce que tu peux le sortir de là? Tu peux le sortir là? Ouais, ça va lui. Fais le tourner toi, fais le tourner de l'autre côté. Je peux pas, je peux pas. Prends ta canne et tourne toi là-bas. Non, je peux pas, il va se décrocher. Wouh! Yes! Oh, je tremble! Il fallait le tirer là. Ah, mais fallait. J'étais à la limite de la rupture là. Putain, c'était un truc de fou. Il y avait du bois partout au fond quoi. Fallait le tirer là. Autorité là! La pêche d'obstacle. Bam! Fais plaisir celui-là, trop bien. Au fond là, là. Il était caché là-bas de fond. En tout cas, il est. Ouais, il est toujours. À minuit, il était vraiment grand énervé quoi. Un petit truc là qui est hyper sympa pour pêcher dans les bois, ça. C'est l'ordre GPLP, S Runner ça s'appelle. C'est comme un jig normal avec une petite palette libre là. Ouais. Ça, et puis vous mettez un leurre soupe dessus. À la descente, unanime, boum. Ouais. Allez, la tige. Hein. Magnifique, mais alors qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il a donné lui? Pouah, les rushs qu'il a mis dans les bois là, c'était intense. Bon Steve, derrière la ligne droite j'ai envie de dire. Bah ouais. On est où là? Soit à Rome. Le plus petit. Le plus petit des trois étangs brochets. Mais il y a une belle population de brochets dedans quand même. On a fait un petit changement après le précédent étang et celui-là. Voilà, on a transformé Canito. Canito s'est complètement transformé. Canita. Canita. Un café? Voilà, Canita, c'est on a transformé Canito en Canita. C'est Axel. Axel qui est chargé de communication digitale ici. Ah bah non en fait. Désolé, il est là. Je vais quand même poser ça. Parce on n'a pas commencé, on t'attendait. Désolé. Voilà. T'as déjà fait un brochet ou pas encore? Non. Bon, il va falloir alors y remédier. Il y a un truc aussi, c'est que tu as une bonne nouvelle pour nos abonnés un peu plus tard dans cette vidéo. On verra ça après, on prendra le temps d'expliquer tout ça. Mais pour l'instant, let's go. Let's go. Donc là, on va mettre un bon gros swing bait, ici un BBZ. Faut attention hein, quand on lance de ne pas lancer trop dans la maison parce qu'il y a Fred Julien dedans. Et il risque d'être un peu énervé si on lui casse un carreau. Il est rentré, il faisait 16. Oh putain, décroché. Ouais, j'ai vu. Décroché. Le petit coquin. Il est là, il est là. Figure 8. Si tu me le fais comme ça. Je le tente, il est passé dessous. Là. Ah, il était solide, celui-là. Hein. Je peux te piquer un John Waite. Le poids de John. John Rambo. Bon, 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 bon. Oh, poisson. Et allez, le poisson de la moto, il est pas mal. Youhou. Ça, je suis sûr que la moto va porter chance. Ah, il est petit, il est petit, on va le décrocher. Là. Ah. Cool. Premier poisson d'arôme. Ouais, décroche aussi. Cette taille, je le déteste. C'est horrible. C'est eux qui te mettent les dents dans les doigts. Voilà. Pas les gros. Poisson, c'est gros.
C'est mieux. Non, c'est pas si gros, je crois. Ouais, c'est mieux que l'autre, quand même. Ouais, si. Ça a l'air plus sympa, quand même. Ouais, c'est sympa. J'ai la GoPro dans la main. Ouais, c'est sympa. Enfin, pas sûr qu'il... Attends, je vais le fatiguer un peu. Non, attends, on va il va refuser là. Là, il est vert encore. Il est pas mûr. Il est pas fatigué. Il va lui laisser faire 2-3 rushs là. Oh, il y a des crocs. Oh là, des crocs, c'est moche. Oh, c'est moche. Ah non, ça, c'est moche. Hein. Pourquoi tu fais ça? Oh, mais oh. Bah, on l'a vu quand même. Ouais. Je m'en fous, on l'a vu, c'est bien. Et puis on peut pas dire qu'on l'a pas vu hein, pendant ces quelques jours. Hein. Ah, ça, ça. Ouais. 90, ouais. Ah, 90, ouais, je pense. C'est bien grand nouveau. Comme ça. C'est comme ça. Allez, on va quand même essayer d'en faire un autre. Hein. On va pas rentrer de suite. Bon, lui il est Nicolore, je suis tellement. Non, tu vois, je vais pas le perdre, on va faire une photo. Ouais, ouais, il est sympa. Tu veux l'appareil? Oui, voilà. Allez! Bon, il a été plutôt sage. Crash de frère, moi. Ouais. C'est fait. Moi, je vais pas aller. Super. Youhou! Bien joué! Axel, pas de poisson non. Pour l'instant. Zéro. Tu as réservé à nos abonnés un petit cadeau au nom de Paris Predator Fishing. Petit concours qui arrive sur Instagram, sur notre Insta. Et alors, qu'est-ce que tu proposes à nos abonnés? Axel, c'est parti, c'est à toi. On va vous faire gagner un guidage de pêche. Ouais. Avec notre moniteur. Monsieur là-bas. Steve Blin. Avec lui? Avec lui, oui. Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc une journée entière sur le domaine privatisé. Des étangs de la Bassée, voilà. Donc pour Paris Predator Fishing. Ce sera un concours Instagram. Sur notre page, Scarna Fishing. Sur la page Scarna Fishing, exactement. Vous aurez le règlement dans le concours, il va arriver mercredi. C'est mercredi. Si vous voulez vous abonner d'ores et déjà à la page Scarna Fishing où il y aura le concours, vous pouvez y aller. Et puis aussi, même vous pourrez vous abonner à la page de Paris Predator Fishing. Bien sûr, ce concours nécessitera de vous abonner à la page et de suivre toute l'actualité du domaine et l'actualité qui est chargée, on le voit, est chargée à un super poisson. Vous savez qu'ici, il mange bien à la cantine. Voilà. Et même plus que ça, hein, encore. Je n'ai pas les bras assez longs. Et encore, on n'a pas vu un seul black bass parce qu'on ne les a pas touchés, bien sûr. Oui, il y a la période de reproduction de frais. Voilà, mais on reviendra. Oui, c'est un plaisir. Pour ceux qui sont intéressés, il y a toutes les infos de toute façon sous cette vidéo. Sachez que ici. Quand vous venez, vous avez tout le domaine qui est entièrement privatisé que pour vous. Voilà, ça c'est assez rare pour le souligner. En général, sur les étangs privés, vous pouvez toujours croiser d'autres pêcheurs, tout ça. Là, si vous venez, les 7 étangs sont à votre disposition. Un bateau à chaque fois au bord. Tout équipé. Voilà, tout équipé, moteur électrique, sondeur. Le guide, si vous avez envie de voir cet homme en action. Merci beaucoup Axel pour ce concours, pour faire gagner une journée entière de guidage. Ici, on se reverra en septembre, je pense, pour les basses. Exactement. Monsieur Blin, c'est moi-même. Grand merci pour ton accueil, ton guidage. De rien. Tu nous as montré la voie à suivre. Alors au début, tu voulais même pas pêcher. Donc on a dit non. On t'a demandé de pêcher parce qu'on aime bien boire des poissons. Et tu as su nous montrer la voie en faisant le plus gros poisson du séjour directement. Au moins ça, voilà. Et merci pour ça parce que vraiment un poisson comme ça, on n'en avait jamais vu. Steve, c'était mon record aussi, donc c'est cool. C'était un plaisir de partager avec vous en tout cas. Ouais, c'est top. Voilà. Et des records ici, il y en a vraiment à faire, que ce soit en brochet mais aussi en basse. Ouais. Mais pour ça, on reviendra. Merci Steve. De rien.
Ciao, ciao. Nous, on va devoir y aller, malheureusement. Ouais. Déjà, ça passe vite. Oui. Petit pouce bleu pour la vidéo, si jamais ça vous a plu, si le contenu vous a plu, si Calito vous a fait rêver. Aujourd'hui, t'as été bon. Ça va, merci. Et on va descendre dans notre midi. Apparemment, il pleut. Toujours. C'est bizarre, là, ça. Petit abonnement. Voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Après, on va aller pêcher, bien sûr, sur le public, comme à notre habitude. Ouais. Et on va faire des bornes, rien que pour vous, pour préparer des belles vidéos, du beau contenu. C'est ça. Il y aura plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Ciao, tout le monde. À bientôt. Bye bye. C'était Canito, Tosh, Axel et Steve là-bas pour Scanna Fishing. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. On se connaît, non? Hein? Il me semble, non? Votre tête me dit quelque chose, non? Je sais pas. Vous pêchez? Non, quand il fait beau.